grande mostra dedicata a Matisse, che è il pittore, come dire, capostipite del fauvismo, dell'espressionismo. Esibiamo questa mostra dopo aver esibito tre grandi autori dell'impressionismo in questi tre anni, Degas, Renoir e Monet. In autunno avremo, in primavera avremo la grande mostra dei francesi dell'Hermitage, quindi c'è, diciamo, una scelta della città di dedicare alla pittura francese nelle sue diverse scuole questi anni, ed è una grande mostra che contribuisce ad arricchire ancora di più l'offerta culturale della città di Torino, che ha fatto una scelta di investire massicciamente in cultura e di fare della cultura un tratto di identità del suo sviluppo e della sua vita. E mi pare che la risposta dei cittadini, dei turisti, è straordinaria, perché Torino sta diventando, grazie a questo forte investimento culturale, una grande meta turistica. E la mostra è davvero una bellissima mostra dedicata non solo a Matisse, ma a Matisse e il suo tempo. E quindi la mostra ha opere di Matisse e opere di grandi autori, da Picasso a Braque ad altri, che vengono interfacciate con le mostre, con i quadri di Matisse, e quindi danno, diciamo, al visitatore una rappresentazione della migliore pittura contemporanea della prima metà del Novecento. C'est une exposition qui est faite à partir de chefs-d'œuvre de la collection du Centre Pompidou et donc qui n'est pas destinée à être montrée au Centre Pompidou, puisque c'est notre collection, et qu'il était important de montrer les œuvres de Matisse dans leur contexte pour des pays qui n'ont pas le Centre Pompidou. Alors, l'intérêt de cette exposition, c'est la traversée très, à la fois très rapide et très dense de la carrière de Matisse, mise en contexte, donc mise en contexte dans sa période. Et donc, on propose au public une sorte de traversée de l'art moderne de la première moitié du XXe siècle, absolument étonnante, puisqu'elle est faite à partir de chefs-d'œuvre, d'œuvres très fortes, et elle permet comme ça de mesurer ce qui, en 50 ans, a pu se jouer en art moderne. On commence avec les débuts de la carrière de Matisse, et donc le parcours est chronologique. Chaque salle consacre, je dirais, un arrêt sur les périodes essentielles de son travail. Et donc on peut, comme ça, avancer de mouvement en mouvement, que ce soit le fauvisme, le cubisme, le retour à une certaine figuration dans les années 20-30, le surréalisme, et ensuite le modernisme des années 50, pour aller vers l'abstraction avec les papiers gouachés découpés et les jeunes artistes comme ceux de support surface. Et il y a par exemple il y a quelques chefs-d'œuvre autour du cubisme, comme Porte-fenêtre à Collioure ou un des nus de dos que Matisse a sculpté, et qui sont des œuvres absolument essentielles, qui permettent de voir comment Matisse a abordé une certaine forme de stylisation et de radicalité pendant la Première Guerre mondiale, qui était une période sombre, où Matisse n'était pas mobilisé sur le front. Il était à l'arrière, mais très inquiet et très préoccupé. Et il rencontre à ce moment-là Juan Gris, donc jeune peintre espagnol, très proche de Picasso, qui est déjà engagé dans l'aventure cubiste. Et cette période d'interrogation et d'inquiétude se caractérise par une série de chefs-d'œuvre très radicaux, très difficiles, très proches de l'abstraction, comme donc ce tableau Porte-fenêtre à Collioure, qui nous montre une sorte de composition en bandes bleues et noires, qui évoque à la fois une fenêtre, mais qui évidemment paraît totalement abstraite. J'ai souhaité vraiment accompagner cette exposition d'un catalogue inédit sur le sujet, qui traite à la fois donc de ces confrontations, de ce dialogue que Matisse a avec les artistes de son temps, et nous ajoutons à la fin
de ce gros livre, une anthologie de lettres et d'écrits de Matisse, des lettres et des témoignages qui permettent de mieux saisir et de façon plus vivante comment Matisse était en dialogue avec Picasso, Aragon, mais également ses amis, ses vieux amis Marquet, donc dans des lettres qui sont parfois très drôles ou parfois des réflexions sur l'art de son temps. Et donc je pense que c'est important de le mentionner puisque parfois ces lettres ont été cherchées dans les archives Matisse et donc il y a quelques inédits et vraisemblablement beaucoup de textes qui n'ont jamais été traduits en italien.